Bonjour, bonsoir la famille, compatriotes haïtiens, frères et sœurs, haïtiens tout partout dans quatre coins pays d'Haïti, zanmi nou yo ki nan diaspora. Gros coup de chapeau pour nous tous. Jodi an, c'est lundi 18 novembre 2024. Yon jou tant que jodi an nan histoire pays d'Haïti, zansèt nou yo te fè pi gwo batay kote yon groupe esclave, yon groupe moun ki pat kon ni li ni ekri, ki pat ni lekti ak ekriti. Yo te décidé pran avni yo men, yo te décidé di plus jamais ça a kon système pesé sou se, a kon système esclavagiste côté colon blanc yo, yo t'a fait million sous force travail frais action nou yo. Zansèt yo ki te comprendre nécessité pour Haïti te libre, nécessité pour yo te libérer Saint-Domingue et ki te boute ça, jounen jodi an ki c'est Haïti, yo ki te le comme héritage pour nous. Yo te fè batay si la. 221 ans après, c'est qui côté Haïti yé? 221 ans après, qui sa batay de Vertière lan li inspiré ou? Président monté, président tombé, président assassiné. Gouvernement monté, gouvernement vini, gouvernement allé. An yé pas changé. Sinon, situation politique ak sécurité en pays yan, pi détérioré, pi aggravé chaque jour pi plus. Mais ça pas empêcher que Haïti gen petite fille tant kou garçon qui croit que révolution possible, qui croit que changement système nan possible si chaque grain haïtien prend responsabilité. Ministre Dominique Dupuis qui passait plusieurs mois dans tête deux ministères, li kite job lan, li kite poste ak yon sentiment fierté. Compatriotes haïtiens frères sœurs, jodi 18 novembre, non, Dominique Dupuis li voyon message pour peuple haïtien. Nous gen son, nous gen image, nous pral partager message si la avec ou. Et comme ça, wa comprendre pi bien, wa wè pi bien, bataille qui t'a mené pour liberté, bataille qui t'a mené pour mettre Haïti sous route stabilité et progrès, eh bien, yon soldat ka tombe, Dominique Dupuis ka pa la encore, mais bataille ça, li doit continuer. Nous pral partager dans un petit moment message Dominique Dupuis. Nous genyen Guy Philippe. Guy Philippe li marqué 18 novembre nan yon l'autre façon, yon l'autre jan. Nan moment n'a parlé à la Nations Unies, dirigeant Nations Unies, Conseil de sécurité Nations Unies, yon gen bagay nan men. Guy Philippe Bayon ti pastan la, nou pral pote detay yo pou ou, pral konnen nan boti mamit ki sa Guy Philippe voye di Conseil de sécurité Nations Unies et kon sa ou a tout profite bay point de vue pou. Nou genyon ti bad bouche nou te fè avec Stanley Lucas sou situation peyi yo, sou jan peyi a fin deteriore la, Stanley te fè des prévisions par rapport avec décision politique qu'a prend yo. Mais faut que moi dis nous dans jour qui sont passé yo gen vidéo qui a circulé côté gen moun qui dit Stanley Lucas li annoncé que premier ministre Ali Dj Fizeme pral mourir, que premier ministre pap fin fè mandat entre février avec avril, premier ministre yo ka touye, c'est premier ministre qui ka mouri, etc. etc. Te mon paquet bagay kap di. Nan chèche Stanley Lucas pou nou pose Stanley Lucas question pou nou konnen nan bon timamit ki sa bagay yo ye. Donc jodi an nou gen émission très chargée, déjà m'ap di ou bienvenue ou sou TAC 509 tout haïtien connecté. Dans l'émission Mon éditorial avec Yannick, nous pral continuer brasser l'idée. Nous gagnons Alix Dj Fizeme, premier ministre, qui lui-même, dans l'occasion bataille Vertière là, lit et fait une adresse à la nation. J'en ai constaté ensemble avec moi dans poste là, côté premier ministre, l'étape bay détail sous sa Vertière représentée pour lui. M'pral li pou nou et kon sa, na dim ki sa nou pense nan an commentaire. Vertière, symbole du courage et de la bravoure de nos aïeux, est un héritage qui invite à l'unité et au dépassement. L'esprit de cette victoire révolutionnaire qui a donné une nouvelle dimension à la liberté et à la dignité de la personne humaine doit nous guider dans l'œuvre historique de bâtir une nation digne du sacrifice de nos héros.
Le gouvernement salue la mémoire de nos ancêtres et s'incline devant l'épopée de 1803. À nous, génération présente, de livrer et gagner les batailles de notre temps. Vive Haïti! Là, nous gagnons poste Alix Didier Fizeme, qui c'est premier ministre, il fait dans l'occasion de la bataille de l'ouverture. Et moi personnellement, l'autre autorité ça yo et qui a proposition l'autre date historique ça yo ou nèg yo a mettre ko yo de yo a di on bagay yo a fon l'autre bagay yo a mandé est-ce que nèg sa yo comprendre qui bataille ancêtre yo te mené pour liberté, est-ce que nèg sa yo comprendre qui ça veut dire bataille de l'ouverture, est-ce que nèg sa yo comprendre les ancêtres, le Dessalines, Pétion, Christophe, te dit plus jamais ça. Plus jamais ak yon système côté colon blanc t'a oppressé nous, te mette pied sous cou nous, côté colon blanc t'a fait millions et des millions de francs avec force de travail nous, nan indignité nous. Est-ce que nèg sa journée jodi a k'a fait choule international? C'est blanc qui mette yo, c'est blanc pour évoquer yo, c'est blanc pour ba yo approbation yo. Est-ce que nèg sa yo journée jodi a yo k'a parler de sacrifice héros nou yo? Est-ce que yo k'a parler de sacrifice ancêtre nou yo? Est-ce que yo k'a parler de épopée de 1803 journée jodi a? Des séries de apatrides, des séries de machin pays, des séries de moun qui pa gen rien pour avec Haïti, sinon que on contrôle pour yo faire cob yo, pour yo faire richesse yo. 18 novembre ça suppose un moment de réflexion pour même cap garder, pour même cap suivre, pour même cap suivre actualité hein. Journée jodi an, on regarde 221 ans après gros coquin chaîne bataille, un groupe esclave. Un groupe esclave mettait en déroute puis gros l'armée à l'époque, l'armée française. Et puis journée jodi an, on regarde dirigeant nou qui accepte tout carrément États-Unis din marié droit gen l'armée. Canada din baye droit gen l'armée. Nations Unies a déterminé pour yo ba nou en mission de maintien de la paix. Tout dirigeant sa yo là. Tout dirigeant sa yo c'est yo k'ap négocier, c'est yo k'ap discuter, c'est yo k'ap décider. Mais quand date historique l'an vini, quand date Dessalines, Pétion, Christophe Toussaint, bataille de l'ouverture vini, yo songe n'te fon épopée, yo songe n'te gon histoire, yo songe n'te gen héros, yo songe n'te gen ancêtres. Pour responsabilité nan de peuple moyen, pour responsabilité. Ah, nous souhaitons gagner tout détail sur intervention Alix Didier Fizeme qui c'est premier ministre haïtien lui-même li fait. Faut que moi di nou occasion ça chaque monde, chaque acteur, chaque groupe nan façon pa yo gon message, gon signal que yo vle bay. Guy Philippe pa bon côté parle, compatriote haïtien frère chèm, li pa décidé rete nan silence li. Pour le croiser bras l'ab gade, on pays ap de pas fini, moun pa gen kote pou yo rete, bandi ap terrorise population, moun ap kouri pa si pa la, Guy Philippe li adresse à Conseil Sécurité Nations Unies. Principalement, ak pays tankou la Chine, tankou la France, la Russie, Royaume-Uni, ak États-Unis. Gen de trois vérités, Guy Philippe pa mette de l'eau nan bouchi, pour parler à dirigeant à responsable pays sa yo. Un pays tant qu'aux États-Unis qui fou récolte tout le monde en question ingérence. Un pays tant qu'aux États-Unis qui contribuait, qui participait dans mettre conseil présidentiel transition campé. Un groupe autorité qui pas bénéficier aucune légitimité. Un groupe autorité qui là cap jouir privilège, cap bien passé, mais qui pas fait rien véritablement pour changer condition la vie peuple, pour porter satisfaction avec un cri désespoir peuple haïtien. Nous allons regarder ensemble avec moi qui ça Guy Philippe lui-même li voyait by Nations Unies comme détail qui ça le voyait dit et dirigeant Nations Unies. N'a regardé ensemble avec moi là et bien son correspondance qui fait na date 14 novembre 2024 à l'attention des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Siège des Nations Unies, New York, États-Unis et États-Unis, li adressé avec la Chine, la France, la Russie, Royaume-Uni et États-Unis. 5 membres permanents qui gagnent droit de veto
dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui ça objet à yé? Dénonciation de la situation en Haïti et alerte sur les risques d'escalade vers une guerre civile. Excellence, membre du Conseil de sécurité. Par la présente, nous portons à votre attention la situation alarmante qui prévaut actuellement en Haïti. Situation qui, si elle n'est pas immédiatement adressée, risque de déboucher sur une guerre civile d'une ampleur catastrophique. Votre rôle en tant que garant de la paix et de la sécurité internationale vous impose une responsabilité historique, celle d'agir pour prévenir un génocide conformément aux principes consacrés par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide en 1948, dont vos États sont partie prenante. On va continuer. La crise haïtienne, un mépris des droits fondamentaux. Depuis des années, Haïti subit une crise multidimensionnelle marquée par la déstructuration et de ses institutions, l'effondrement de son économie, l'ingérence constante de puissances étrangères qui ont zappé les bases mêmes de la souveraineté nationale. La démobilisation forcée de l'armée haïtienne en 1995, orchestrée sous la pression des États-Unis, a laissé le pays sans une force capable d'assurer la défense nationale et la sécurité intérieure. En parallèle, la destruction systématique de la production nationale par des publics, par des politiques néolibérales imposées, a transformé un pays autrefois résilient en une nation dépendante et appauvrie. Aujourd'hui, le peuple haïtien subit des conditions qui correspondent aux critères établis par l'article 2 de la Convention sur le génocide. Petit a, Guy Philippe a bay détail qui ça fait l'idée comme génocide ça qui a passé en dedans pays. Il dit que dans l'article 2 Convention sur génocide là, article petit a, il dit que des massacres perpétrés par les gangs armés qui terrorisent les populations civiles, souvent avec la complicité passive ou active de certaines autorités. Petit b, des atteintes graves à l'intégrité physique et mentale des citoyens, dont des actes de torture, des viols et des exécutions sommaires. Petit c, une soumission intentionnelle à des conditions d'existence qui entraîne une destruction physique partielle, notamment par la privation d'accès à des services de base tels que la santé, l'éducation et la sécurité alimentaire. Le silence complice de la communauté internationale. On allait là. Malgré ces signaux d'alarme, la communauté internationale, en particulier les membres influents du Conseil de sécurité, se complaient dans une indifférence coupable. L'ONU, par ses actions, voire son inaction, est perçu comme complice de la situation actuelle. L'ingérence étrangère continue d'imposer des dirigeants illégitimes, déconnectés des aspirations du peuple haïtien, ce qui attise les divisions internes et alimente la haine et la violence. À ce titre, nous rappelons que l'article 8 de la Convention vous donne le pouvoir d'intervenir pour prévenir et réprimer de tels actes. L'absence d'action concrète de votre part constituerait une violation flagrante des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et de votre mandat en tant que gardien de la paix. Et là, Guy Philippe lui fait un appel à l'action pour sauver Haïti. Appel à l'action, sauver Haïti de la désolation. Là, c'est un ensemble de demandes que Guy Philippe lui a adressé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous vous demandons instamment de prendre des mesures immédiates concertées, pour mettre fin aux violences perpétrées par des groupes armés, soutenant la reconstitution d'une force de défense nationale digne
et respectueuse des droits humains. Et deuxième recommandation, de cesser toute imposition de solutions politiques extérieures et de favoriser un dialogue inclusif mené par les Haïtiens pour les Haïtiens. En troisième lieu, OK, nous parler d'exiger une enquête internationale indépendante pour établir les responsabilités, y compris celles des États et organisations ayant contribué directement ou indirectement à cette crise. 4. De garantir la souveraineté du peuple haïtien en mettant fin à toutes les formes de néocolonialisme déguisé qui aggravent les fractures sociales et institutionnelles. En conclusion, l'histoire jugera sévèrement toute organisation ou puissance ayant fermé les yeux sur les souffrances d'un peuple abandonné. Haïti, première nation noire libre, a payé un lourd tribut pour son indépendance. Le peuple haïtien mérite votre respect, votre solidarité et votre action. Nous vous demandons de ne pas être complice d'un désastre humain que vous avez le pouvoir de prévenir. Avec l'espoir que vos décisions soient guidées par la justice et la dignité humaine, je vous prie d'agréer, Excellence, l'expression de mes salutations distinguées. Et j'en ai gardé là, eh bien, communiquer ou bien note ça, correspondance là, l'hypothèse signature, et Guy Philippe comme coordonnateur national, frein qui c'est force révolutionnaire, entente nationale. Et faut moi dit nous, note ça ou bien correspondance ça que Guy Philippe lui a adressé à Conseil de sécurité des Nations Unies. Et sur internet là, il y a en pile commentaire qui fait sous lui. En pile commentaire, il y a des gens qui dit que et comment ça se fait même Nations Unies qui a préparé pour mander voyer mission onusienne, voyer en force en Haïti, c'est même Nations Unies ça. Guy Philippe qui dit la faire révolution, c'est avec qui il a adressé. Est-ce que Guy Philippe prend une réponse favorable par rapport avec recommandation le fait côté pour Nations Unies et faire campagne ingérence en Haïti, côté pour Nations Unies vin faciliter un dialogue interhaïtien, côté pour Nations Unies mettre campé et de reconstituer en force nationale tant que l'armée d'Haïti. Est-ce que Nations Unies OK qui gagne États-Unis nan conseil de sécurité a qui gagne droit de veto qui ka empêché ça les gens le pito? Est-ce que pays ça yo véritablement yo gon intérêt la France, la Russie? Est-ce que Royaume-Uni, est-ce que jodi an la yo gon intérêt pour yo Haïti gen stabilité? Est-ce que yo gon intérêt pour yo Haïti gen sécurité là-dedans? C'est question qu'a posé alors que Guy Philippe li parlait de révolution. Est-ce que révolution ça Kaprona, est-ce que révolution li kachita sous question adresser des correspondances avec Nations Unies etc. Gen pile commentaire qui fait sur réseau a. Mais moi-même d'ailleurs mais connais qui soit pensé suite avec correspondance ça. Li té important, selon moi-même li té important pour gen un état des lieux qui fait. Et c'est ça qui Philippe fait dans correspondance ça envoyé par Conseil de sécurité, li font un état des lieux. OK, il faut état des lieux sous situation pays a. Il fait présentation fait yo, il énonce fait yo. Il dit mais qui ça qui passé en dedans pays a et mais qui ça il proposer mais qui ça demander. Est-ce que demande yo y a satisfait yo? Point d'interrogation. Ça qui sûr c'est que Nations Unies jodi an là, yo si yo décide pencher sous dossier haïtien, si yo décide réunir sous dossier haïtien, faudrait-il que yo prenne en considération ça qui vient joindre yo, ça yo recevoir comme document, ça yo recevoir comme énoncé des faits, ça yo recevoir comme position de structure politique que Guy Philippe a dirigé qui dit mais qui sa réalité en mais qui sa yo mandé pour Haïti. Donc m'pa caché di nou gen pile préoccupation par rapport avec jan situation pays a vinn pi compliqué, jan bagay yo pi aggravé. Et oui, bon Dieu, oui, la Vierge Jean Mounio, comme dit, là, nous sur route et pour déclencher, pour nous déboucher sur une guerre civile en Haïti. Ce n'est pas ça que nous avons souhaité, mais nous, ouais, à cause dirigeants qui n'ont pas fait rien
pour yo gérer situation, pour yo bayon réponse à situation qui gagne là, bagay malouk qui gagne là. Et bien entre temps, c'est population civile là qui continue à payer pour casser. Nous gagnons remaniement ministériel, conseil présidentiel transition, tapement de Gary Koni depuis un bon bout de temps. Gary Koni pas de jambe faire et finalement yo révoqué Gary Koni, vinn gagnon nouveau cabinet ministériel journée jodiyan. Yon nouveau cabinet ministériel côté que Dominique Dupuy lui-même li pa fait partie de gouvernement alors que yon reconduit des séries de ministres qui yon même te sous gouvernement qui te dans équipe Gary Koni là. Et Dominique Dupuy li adressé la paysan, li adressé la peuple haïtien dans circonstance côté que Haïti besoin l'autre souffle, pays a besoin l'autre lait, nous besoin respirer on l'autre lait. Nous besoin senti gen moun k'ap travay pour Haïti, gen moun k'ap travay nan intérêt paysan, gen moun ki paré pour défendre intérêt Haïti. Et non sa ça, on nous garde ensemble avec moi, gen vidéo et gen post ça que Dominique Dupuy li fait. Nous pral partager yo avec ou nous pral bay plus détail nan dossier si la. On nous garde post ça. Aujourd'hui, un nouveau chapitre commence. Avec une profonde émotion, j'ai quitté mes fonctions de ministre des Affaires étrangères et des Cultes et ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Un rôle que j'ai exercé avec passion, détermination et dévouement. Ces 5 mois ont été les plus intenses et les plus exigeants de ma vie, mais aussi les plus exaltants car ils m'ont donné l'opportunité de servir ma terre natale, ce pays de mes ancêtres, à un carrefour crucial de notre histoire. À chaque réunion, à chaque signature et à chaque intervention sur la scène internationale, j'ai porté la voix d'Haïti. Cependant, je n'ai jamais été seule dans ce combat. Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont été les piliers de cette mission. Aux équipes de sécurité toujours présentes dans l'ombre pour veiller sur chaque instant, aux femmes et aux hommes de ménage dont la bienveillance et le sérieux m'ont rappelé la valeur de travail bien accompli. À mon cabinet, mes collaborateurs dévoués qui ont travaillé sans relâche, parfois jusqu'à l'épuisement, pour défendre nos idéaux communs et à ma famille qui a consenti à tous les sacrifices pour me soutenir dans cet appel. Je remercie également le Premier ministre Gary Koni pour sa confiance et son service à la nation. J'adresse mes vœux les plus sincères à mon successeur, M. Hervel Jean-Baptiste. Monsieur le chancelier, vous héritez d'une mission immense et d'une responsabilité sacrée. Défendre Haïti et sa souveraineté et sa dignité. Je vous souhaite la force et la sagesse nécessaires pour poursuivre cette voie. À Haïti, mon pays, je renouvelle mon engagement dans les rires comme dans les larmes, dans les luttes comme dans les triomphes. Mon cœur restera éternellement attaché à tes montagnes et à ton âme indomptable. Je serai toujours là avec toi et pour toi. À mes compatriotes, aux jeunes et aux femmes de mon pays, à la diaspora, ne perdez jamais espoir. Nous sommes un grand peuple. Les défis colossaux que nous rencontrons aujourd'hui ne doivent pas ébranler notre détermination à défendre notre avenir. Ensemble, nous pouvons et nous devons tout reconstruire. Dominique Dupuy, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, ex-ambassadeur de la République d'Haïti auprès de l'UNESCO. Là, moi, saute li pour nous. Et moi, saute li pour nous, message à Dieu. Dominique Dupuy, li voye le partager avec paysan, collaborateur li, chaque moun qui te côtoyé pendant tant le passé, et comme ministre Affaires étrangères et également ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Mais nous gagnons une vidéo qui est également publiée. Dominique Dupuy publié li avec poste sa yo le fait. Nous pral permettre tout tende et garder ensemble qui ça
message si la yoye. On a dit. Moi, t'es intransigeant à tout le monde qui pensait que yon capacité de dire nous en bas pied. Quel que soit pression, quel que soit attaque, quel que soit harcèlement en ligne, moi, t'es dit, droit fondamental haïtien, pas jamais qu'à négocier. Pas un Goliath qui doit nous faire compromettre tête nous. Vann pays nous, vann nan nous. Moi, t'es pris en poste ça avec un pile conviction. Parce que moi, toujours, ouais, les la patrie Léo, pas gagné ni bon moment, ni bon gouvernement, ni bon condition pour répondre oui. C'est fini et puis travail. Pas gagné sacrifice qui trop pour payer nous. Et moi, honoré que moi, t'ai campé bon côté l'autre femme voyant, avec garçon conséquent dans le ministère ça, qui choisit sa vie pays ou pendant la question. Tout côté moi passé, regardez, tout le monde doit dans les yeux. Tout côté moi passé, moi rete la tête haute. Parce que malgré les difficultés à traverser, nous étions un grand peuple. Ce n'est pas charité nous allons demander les nous aller l'autre voie. Parce que toute l'humanité a une dette pour nous, pour qu'on va limiter nous mener, pour nous libérer en bas de chaîne dans pied, pour chaîne mentale, pour établir la vérité fondamentale que nous avons tout le monde à bénéficier. C'est nous qui te premier dit, tout le monde c'est bon. Pensez à toute jeune dans le pays. Toute femme dans le pays. Et m'am dit, pas découragé. C'est nous qui majorité, c'est nous qui avenir. Engagez-nous. Tout côté, à tout gens nous capables pour payer nous. C'est pas demain pour nous aider à Haïti. C'est jeudi, c'est kounia. Mwen ka di nous tout, li pas facile. Et li mande force. Mais mwen ka di nous que pas gen pi grand raison pour un monde vivre. Pas gen yen qui pi important que servir les autres. Que aider ça que besoin d'aide. Et puis remettre petit nous yo, yon pays que nous ka fier de lui. C'est le seul combat qui vaut la peine. C'est li nous tap mené ici là, et nous pas dwe camper. Et voilà, compatriotes haïtiens frèchèm, nous sotande Dominique Dupuis et nan message que li tap adressé et avec peuple haïtien. Message li tap adressé, message d'adieu li kite posan avec yon sentiment du devoir accompli, li tap travail, li estime li bien fait travail li bien mené bataille lan. Donc nous est comme Gary Koni était sorti par la petite porte. Mais mon merci Gary Koni pas du pays à nous. Pour tout privilège ça nous t'ai quitté Gary Koni a joui. Pour tout privilège ça Gary Koni t'a bien passé. Mais petit merci non PM n'a pas quitté pour pays à sous compte Twitter li, sous compte X. Là on prend petit paquet li, il prend petit madame ni, li prend acolyte li, li lagué pied le papa. Li lagué pied, quitté mêlel. Dominique Dupuis, li choisi lui-même la tête haute. Li kite fonction, li remercie et peuple haïtien, li remercie pays et li rete quoi que bataille lan poko fini, bataille lan li a peine commencé et pa gen Goliath ki trop gros pour baisser, OK? Pa gen aucun Goliath, nèg ka propose Goliath, c'est juste yo pa jwenn moun ki pou défendre Haïti. Mais pa gen Goliath vrai. Et Dominique Dupuis lui montre pendant tout temps le basé dans tête ministère affaires étrangères que défendre Haïti c'est pas bagaille qui facile. Tellement de traite, tellement de conze, tellement de apatride au plus haut niveau de l'État. Sou pourquoi ou vin défendre pays a yabwe ou? Sou pourquoi ou vin défendre intérêt Haïti nan mitan nexa ou yabwe ou yabvalo ou? Yabvalo ou? Seule façon pour nous défendre Haïti, c'est nan unité. Seule façon pour nous défendre intérêt pays a, c'est nan solidarité, nan tête ensemble. Mais si c'est son grain, nous pas réunis nous, n'a fait ti bagay pa nou. Li papa terri, li papa bouti. Et Dominique Dupuis montre très clairement que yon véritable campagne kap mené. Campagne sa kap mené, on t'a pas tant nous se moun de yon ta fèl, et bien si Haïtien kap mené campagne contre pays yon encore. Nous gen exemple clair avec les Steve Voltaire, nous gen exemple clair avec le Conseil présidentiel transition. En tout cas, j'en te annonce dans commencement de l'émission, nous gen Stanley Lucas. Nous pral faire un petit bat de bouche avec lui, un petit parler sous situation paysan et m'pral permettre tout tendez qui s'astonne le Lucas lui-même li t'a dit par rapport avec diverses questions que m'te posé li sous situation paysan. On va entendre ensemble.
J'en ai annoncé, nous gagnons Stanley Lucas sous ligne depuis un bon petit temps. Et nous pas gagné Stanley, mais il fait grand retour li parce que question pays d'Haïti, l'hypothèse sous que li est depuis le cas baillon coup de main, depuis le cas vin éclairer l'antenne publique, là, li toujours disponible et disposé pour le faire ça. Nous pral parler avec Stanley Lucas. Déjà, m'a dit, bah, nous toute attention, puisque gagne bagay extrêmement important qui pral parler. Stanley, comment y est? Bienvenue dans l'émission pour jeudi. Moi salut Yannick et moi salut tout auditeur. Yo. Et comme d'habitude, c'est avec un plaisir que nous là. Bien entendu, nous t'es conti retrait et pendant quelques mois, parce que nous t'es mon membre dans la famille, nous t'es malade très grave, donc nous t'obligeons à l'occuper ça. Donc, vous comprenez, la famille d'abord. Donc, il y a un monde plus ou moins OK, donc nous obligés à reprendre la tombe de nous pour nous défendre l'intérêt pays. A pas gagné en sortie de là. Pas gagné en sortie de là, famille là, l'important pour nous gérer. Parce que c'est famille nous, c'est famille nous, c'est ah, nous qui famille bagay jouet là. Et ça qui est là. Pendant que je prends un petit temps pour m'occuper de ma famille qui est malade, n'est-ce que vous avez circulé les certificats de décès sur Internet là? Ah oui, gen pizan mou ki tap ekri mande. Est-ce que Stanley mouri? M di non, m di m gen tik bak yo li la, men gen pil et desinformasyon ki tap fèt. Stanley, c'est vrai que ou te pran ti break et sa k ap pase nan peyi antretan et genyen Ariel Henry ki perdi pouvwa, genyen installation conseil présidentiel transition premier ministre Gasconi il fait et près de 6 mois yo un coup de force yo révoqué actuellement bon nouveau et premier ministre pendant temps pour faire et out scène politique là out ça va passer dans pays an. Retour là qui analyse ou fait sous situation paysan qui analyse ou fait deux acteurs a yo et qui gain pouvoir dans main yo et ba partager avec public là, partager point de vue ou partager ça comprendre et de ça qui a passé actuellement là dans politique là. Bon, premier bagaille que merci pour question là. Premier bagaille que on constate c'est que bagaille que installé à jeune que les CPTA et son bagaille qui pas gain aucun statut légal. Aucun statut constitutionnel et c'est troisième phase coup d'État et pour consolidation assassinat président et c'est ça CPTA représenté parce qu'au niveau légal et constitutionnel il est très clair le tout un président ou bien si président pas qu'à assumer responsabilité et si mon parlement doit faire une élection indirecte pour mettre un président provisoire pour l'organiser élection. Okay. Toujours dans la Constitution, il dit si par un Parlement, son premier ministre avec cabinet ministériel là, qui doit assumer le pouvoir exécutif là, jusqu'à ce qu'il y ait élection en fait. Donc, bagaille et le CPTA, il n'est pas légal, il n'est pas constitutionnel, il n'est pas une légitimité, il doit écraser le plus vite que possible, parce qu'ils sont entraves à tout ça qu'a fait pour le pays. Là. Deuxième bagaille, moi constaté dans le contexte actuel, aujourd'hui, c'est que secteur qui est impliqué dans tout le journal Moïse. C'est que l'autre gouvernement, premier ministre, il était candidat au Sénat département de l'Ouest, dit Alexis Fizeme, et en bas vérité, unité. Il était candidat, même les Akato qui était candidat à vérité. Et tout le monde s'est resté avec Dimitri Vob. D'ailleurs, Dimitri Vob était payé et Stanley, micro coupé. Allô? Micro m'a coupé, non? Il était coupé. Ou t'as parlé de Dimitri Vob qui paye. Donc, en juillet, Dimitri Vob et Olivier Barreau et Boulos, tout le monde qui participait dans tout le président, ils ont été payés pour que c'est monsieur qui était premier ministre. Il va marcher. Et fois ça, il marche. Et ils ont installé monsieur Jodia. Et dans Primatia, et bras droit client dans Primatia, c'est Nenel Kassi avec Kato. Donc, et en général, vous connaissez son expert en développement politique que m'y est, et mon expérience que me fait en Afghanistan au Moyen-Orient,
en Amérique latine, dans Caraïbes, là, en Afrique, et même la Chine, et son période de 25 ans. Bon exercice que vous faites nous faire, que les simulations, ou prend paramètres économiques, sociaux et politiques, ou prend réalité culturelle pays, et avec paramètres ça, et réalité culturelle pays, ou qu'à projeter qui ça peut arriver dans 30 jours, 60 jours, 90 jours. Donc, c'est dans ce sens-là que me font projection. Monsieur qui monte là, yo nan gang. Et yo nan ISO 5 secondes. Et si monsieur te kon macha ti makak yo, pren l'ordre nan men yo. Et Fantôme 509 pren l'ordre nan men yo. Ou a parler de politicien yo, qui nan gang? Premier ministre qui la nan gang. Ok. Ça fait monter là. Monsieur nan gang. Ok. Donc ça c'est bon accident que bras droit li nan primature, c'est Kato avec Nenel Kasi qui nan gang. Donc moun ki monte là yo nan gang. Donc reste gang qui existe dans zone métropolitaine là, connaît que monsieur ça nan gang. Et deux groupes ça te goumen déjà. Donc sous faire simulation ou est pral gen goumen. Et en plus de ça, un élément nouveau c'est que à cause d'élections qui fait ici aux États-Unis, il y a des leaders politiques qui ne sont pas en sécurité. Parce que les gens qui viennent secrétaire d'État sont cubains américains que liés, sont sénateurs de la Floride, que sont Marco Rubio. Affaire des communistes, ou bien la copopuliste, il a la dans le tout. Monsieur Sonné qui ne parle ni communiste ni à la copopuliste. Et il y a cheval sur l'immigration. Pardon? Elle est très à cheval dans la question de l'immigration. Oui, elle va dans le rien. Donc, ça veut dire que, je me dis, il y a un changement, ça a fait que, et même les nègres et soulevés, et tant que Jean-Bertrand Aristide, monsieur très inquiet, c'est pour ça que monsieur est entré dans la distribution ZAM, mercredi qui se passera dans Solino, quand elle distribue 6-15 ZAM. Donc, conditions réunies pour que, et à partir 15-20 janvier, entre 15-20 janvier et 30 avril, il y a une grosse confrontation entre gangs armés dans la zone métropolitaine. Et pour le compte de qui est parti? Pour le compte de qui est parti? D'abord, dès qu'il monte, et je vais répondre à la question là, mais avant, je vais ajouter que, dès qu'il monte, il y a des objectifs économiques très clairs, il y a des objectifs politiques très clairs. Et dès qu'il mette Didier Fils-Aimé, l'intérêt économique, c'est protéger et puis renforcer tout monopole commercial. Des monopoles dans la construction de routes, monopoles dans le courant. Monopole dans tirer farine, six, ciment, et permettre nèg yo l'ouvrir la douane pour faire ça ouvrir. Et enrichir tête yo, deuxième objectif là, troisième objectif économique là, signer un document et pour yo ka voler l'or dans le département noir, qui sont l'or 24 carats qui vaut 30 milliards de dollars américains, en même temps signer pour un raffinerie de pétrole pour permettre de venir voler ça en bataille. En matière d'objectifs économiques, tout y a un quatrième. Soit est passé dans CPT à côté unité de lutte contre la corruption, qui a mis trois membres dans le joint illégal dans la corruption et dans le volet, ça va être un dossier réel de NCA. Dossier réel de NCA, il y a 5 oligarques qui ont 150 milliards de gouttes, comme l'État n'a pas payé. Et raison qui fait que les gens mettent le premier ministre, c'est pour venir effacer comme la bouille. Donc, si bien. Ta le sonde. Bon faut ti kapo. Kembe fili de ya, oui. Donc, si m'bien comprenne la, dossier BNC 3, président Braque yo, c'est petit tête iceberg là. Ge pi gros bagay toujours. Et mamit Manteg là, qui c'est 150 milliards de gouttes, c'est 5 oligarques qui gagnent 150 milliards de gouttes. Mais yo, par exemple, ou bien les Guazisio, ou bien Rinaldi, ou bien Baou, que Banque de l'Union et fait faillite, tout le monde a besoin de l'État vient dédouaner. C'est pour ça que vous mettez le Premier ministre, c'est pour ça que vous investi, payez mon non, je suis CPTA pour mettre monsieur. Donc, vous venez faire une tracio. Pour venir effacer la dette et pour aider les gens qui font faillite à combler ça. Il ne faut pas oublier que de l'un des gens qui ont président Jovenel Moïse, de 7 juillet 2021, arrivé aujourd'hui, qui fait 40 mois et quelques jours,
eh bien, nous avons crasé 650 milliards de l'État. Que jusqu'à présent, nous n'avons pas justifié par l'école qui bâtit, par l'hôpital qui bâtit, par la route qui bâtit, nous n'avons pas aidé les paysans comme l'État n'a pas servi pour le peuple. Donc, c'est le même phénomène ça. Quand il y a un autre objectif politique, en tant qu'objectif politique, nous avons besoin de faire un coup d'État électoral. C'est le premier objectif politique. Nous avons besoin d'établir un parti unique dans le pays. Et nous avons tout besoin d'enterrer le dossier assassinat président. Parce que malgré le juge Walter Russell-Voltaire, font faux rapport, un rapport bidon. Parce que le rapport juge Walter Russell-Voltaire, s'avocat Dimitri Vob avec et André Michel, Josué Pierre-Louis et Bertrand Dossé qui écrit rapport. Ce n'est pas le juge qui écrit rapport. Le juge est touché pour ça. M'a regardé ordonnance ça li plus penché pour la guerre et proche président nan couri que tout l'autre moun non yo a cité yo. Bon et ça avocat moun lorsqu'il écrit ordonnance là donc on va devoir saisir ça. Donc réalité a c'est que nèg yo malgré ou faire rapport ça, yo pas ka enterrer dossier président et tout nèg qui impliqué dans tout le président, les Dimitri Vob, les Reginald Boulos, les Jean-Marie Vob et Latrie. Dominicain qui est impliqué dans tous les présidents, Colombien qui est impliqué dans tous les présidents, il y a trois employés du département d'État, deux employés FBI qui est impliqué dans tous les présidents, et Mounsa aux États-Unis qui est dans tous les présidents, qui est dans le FBI, qui est dans le département d'État, c'est dans mon groupe blanc qui est dans l'État qui est au grand l'autre blanc. Et les altis, le président, président Biden n'est pas au courant, président, vice-président Kamala Harris n'est pas au courant, secrétaire d'État Blinken n'est pas au courant. C'est ça, les types, c'est là, et lui-même qui tue le président, pour faire l'eau, pour faire mine comme la terre, qui a besoin de venir voler. Il ne faut pas oublier que tu as un contrat l'eau déjà qui existe, contrat corrompu, côté nègre, tu as venir voler, blanc, tu as venir voler 97% l'eau, et puis 3% qui était là, tu as partagé dans tous les cas que politiciens. C'est le Parlement qui a pris une résolution qui crase le contrat, et qui a besoin que Didier Fizeme signe un contrat ça. Mais stand-up, ou soulevez un point qui est extrêmement important, parce qu'on parle de question et bagay gaz pour yon vin mette, pour yon vin faire forage, etc. Moi, Moïse Jean-Charles, dans le dernier mois qui se passe là, li chaud devant Banna avec une question de. Hier, bon, on a fait de la fini pétrole, li peut faire aussi. Donc, est-ce que ça. Est-ce que ça. Pour nous voler, ça nous gagne en bas de terre. En même temps, tout bon bagay, en ballant, mais en engourmier, dans la zone Jérémy, qui n'a pas besoin de voler. Et moi, on a un détail qui s'allie. Je dis, magistrat, dans la zone, pour nous mettre tête ensemble, écrit on l'aide by Greenpeace au niveau international. Greenpeace contre bagay ça en Europe, fait ou voler un bateau, parce qu'il y a une capacité pour voler un bateau avec des plongeurs spécialisés, pour garder en ballant, mais en engourmier, qui ça n'est pas besoin de voler. Et qui ça n'est pas volé sur nous, parce que faut pas oublier que grand volé qui participe dans tous les présidents, bon modèle qui utilise Koulia au niveau international. Vous mettez gang, vous mettez instabilité, pendant que l'instabilité a, il y a volé en dedans pays, ya, ça a besoin. Gardez modèle Congo, mais vous servi avec Rwanda, qui finance un mouvement terroriste dans le Congo qui est le M23, pendant que vous mettez instabilité politique et puis crime à faire dans le Congo, tout ça qui a battu, il y a volé. Ce modèle ça, vous voulez appliquer sur nous. Gardez Soudan, ce même modèle ça, vous voulez appliquer sur nous, pendant que vous faites Soudanais à boumer, et puis il y a volé pétrole Soudanais pour dégoûter. Non, j'ai l'impression et un peu de monde souvent dit li, mais dernier jour ça yo là, gagné directeur bureau Minak Energy Claude Prepti qui t'ai font sorti côté yo t'a abordé le sous question ressources et minières ça yo et yo dit Haïti gagné, li dit le pas au courant non. Carrément bon et l'administration publique là. Et qui paie pour la vie, parce que les causes si vous parlez, vous allez mourir. Mais si vous avez un président, vous avez un sénateur qui est dans la tête du PPLS, et pas de monde qui a tué dans le pays. Mais si vous avez tué, vous avez tué dans 40 mois qui sont passés, et vous avez cassé faire couvrir ça, vous avez tué le leader NDNPA, Eric Jean-Baptiste, et vous avez tué et Montferrier Dorval. Pas grand rien que n'est pas fait. Faut pas oublier, n'est-ce pas, tuer deux présidents. Mais tuer Bréval, c'est même groupe qui tuer Bréval, c'est au cas tuer président Jovenel Moïse. Dans le cas Bréval, là, il a acheté certificat de DCA pour 3 millions. Mais dans le cas ça, c'est richesse pays, il y a livré, bah, et tout, oui. Il y
Yo ap livre tout bagay la, yo pa tout jen. Yo bagay aucun état mental sou sa. Et objectif nan très clair, et sans peuple mettre couler qui te mêle yo. Donc nous même nous devons être très vigilants sur question ça. Et c'est pour ça dossier bon dossier ici. Et Stanley, gen yon vidéo qui a circulé côté ou te parti. Alors, faut pas oublier donc que une vidéo et pour ta passer, c'est vidéo ancien candidat Lavalas pour le Sénat pour le département de l'Ouest. Côté monsieur t'a expliqué et comment nèg yo te vino offrir au cob pour financer l'élection pour que les vinn chef pour yo ka signer toute bagaille pour yo. Projet à son projet 60 milliards pour nèg yo ka vinn voler entre 600 et 700 milliards de dollars américains qu'en bataille. Et c'est pour ça que chaque haïtien pour camper garantit que pas aucun blanc qui ne vole. Et ça nous gagne hein, pour que tout haïtien joigne là-dedans et améliorer les conditions de vie. Donc ça, l'éclair, et moun yo commence à comprendre tout, moun yo commence à être clair. Parce que Jean Bagay a passé à la rende dans le pays, hein, ou a regardé son petit groupe seulement qui a joué privilège, comme si Haïti c'est pour un petit groupe. Et docteur qui candidat Lavalas là, dans la vidéo, c'est un nom blanc qui a un projet de corruption. Et c'est même blanc ça qui a assassinat président. Bah, il est compliqué. Et Stanley, il y a une question qui est extrêmement importante et pour me poser. Parce que où t'es participé dans l'émission et puis sous réseau, il y a un paquet de vidéos qui ont circulé avec des séries de titres. Des séries de titres qui très trompeurs. Côté que yo dit Stanley a annoncé l'an mort, premier ministre, entre février jusqu'à et mars 2025, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a dit sur ça? Parce que il y a un pile de monde sûr qui t'a aimé et gagner plus de détails par rapport avec information ça qui a circulé sur les réseaux. Et tout d'abord, j'ai coupé vidéo là. Bon, 3 minutes qui viennent après qui permettent de comprendre samedi. Là, vous faites esprit, vous va mettre 3 minutes là pour faire vidéo à l'autre bagaille. Pour m'expliquer auditeur à s'allier. Nous sommes experts en développement politique qui ont plus de 25 ans d'expérience. Et au Moyen-Orient, Afghanistan, Amérique latine et Caraïbes, et Afrique avec la Chine. Bon exercice que vous faites, nous fait, qui vous permet de nous, qui ça va passer dans 30 jours, dans 60 jours, dans 90 jours. L'exercice, ça, il y a une simulation. Lorsqu'on fait exercice simulation, c'est ce qui va permettre nous, en fonction de paramètres économiques, paramètres sociaux, paramètres politiques, réalité culturelle dans le pays, qui permettent de voir ce qui va se passer, une ou deux scénarios possibles, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Par exemple, dans une interview que je fais il y a 3 semaines de ça, sous le coup des yeux, dans le matin débat, je dis que si Gary Conny met 2 décisions qu'il doit prendre, s'il ne prend pas, il va tomber avant fin mois de novembre. Monsieur tombé avant fin mois de novembre. Et nèg yo répété plusieurs fois dans la radio, m'te dit ça à l'avance. C'est pas que mon boule de cristal non même non, c'est paramètres qui disponible qui permet tout ça clair. Pour faire prévision. C'est même genre tout. Gouvernement ça a cap monter là. Il y a accompagné avec des paramètres politiques. Et par exemple association gouvernement ça avec des gangs. Yo nan gang. Il y a des paramètres économiques, situation économique pays a pas bon. Mais en même temps, paramètres économiques là montrent que les salaires volés ou le voler. Pas grand affaire peuple que vous va régler. Que paramètres sociaux sont tout qui disponible et qu'une réalité culturelle là. Donc l'autre paramètre politique là et par exemple, pour qu'on ait contentieux qui existait entre branche vérité unité de Bréval et branche Aristide Lavalas, on va dire que René Bréval, monsieur vérité unité yo, yo te kembe Aristide en exil en Afrique du Sud, yo pa vle rentrer dans le pays. Ya. Ne yo te fè même Jean-Claude Duvalier entrer pendant yo quitte Aristide en Afrique du Sud. Finalement, les manœuvres qui fait pour Aristide entrer, une première déclaration que Aristide fait en dedans et aéroport et Port-au-Prince, je dis que Préval pinule que médiocre. Et je te même dit que bien ne qui fait cancer. Jusqu'à ce que le cancer a fait métastase, m'assongez-moi. Donc, il ne faut pas dire que les Aristides finales, qui s'apprivent à l'espoir, vérité, unité, fait, gang qui était fidèle, chef de gang qui était fidèle à Aristide, il y a tout.
Et puis, ils ont récupéré gang yo. Et Sénèg, vérité, unité, l'espoir, yo ak préval, qui prend gang qui te soleil yo, qui te cité soleil yo, qui mette yo nan Matisan et nan Kafou. C'est yo qui mette yo en l'air à tout nan monde nan. Donc, il y a, et, un processus de récupération et d'affaiblissement la valance, pour que c'est vérité, l'espoir, unité, qui c'est même parti à qui change non. Plusieurs fois, que c'est lui-même qui vient en parti unique et parti dominant de nan pays. Donc, je veux dire, et contentieux, ça a toujours là. Et Aristide Gon, pour qu'on a toute fourmi pour le manger à Negio. Mais il y a cohabitation quand même. Pardon? Il y a cohabitation qui fait entre eux quand même. Cohabitation en faux. Il n'y a pas de problème. C'est qui j'en veux me passer. Mais, dans le coup, pour me faire un gros Vivien, c'est la meilleure façon pour me faire un gros. C'est comme ça que ça a opéré. Il faut pas oublier que, je vais des exemples concrets. Les gens m'arrivent à Saint-Effin, disent, Aristide m'a traité l'autre bord. Lui-même Jean-Marie Vincent, la poutille bataille la bouli, a ici déclaré Jean-Marie Vincent. Vous songez les gens Dominique qui apparaît tête li comme candidat, il y a ici nous même une corruption à oligarque qui mette côté à travers Ariel Jean, nous venons apprendre qui Jean a ici touye Jean Dominique. C'est même bagarre avec petit Jean. Donc, quel bon match là qu'a fait en février, pour qu'on comprenne match ça, il faut garder 5 étages en sécurité. Et 4 étages en sécurité. Dans le premier étage en sécurité, ou bien oligarque, pardon, ou bien 3 anciens présidents qui n'ont gang. Dans le deuxième étage en sécurité, ou bien oligarque qui n'ont gang. Dans le troisième étage en sécurité, ou bien leader politique ancien parlementaire qui n'ont gang. Et puis dans le quatrième étage en sécurité, qui s'est à terre, ou bien chef de gang. Il y a déjà directement, il y a plus que 3 camps, hein? Mais il y a 3 camps. Qui plus hégémonique là-dedans. Il y a 3 camps qui plus hégémonique là-dedans. Au grand camp, et M. Vérité Initéo, au grand camp, la Valasse, et au grand camp, PHTK. Et chaque camp, ça, qui prédominant, ou bien oligarque attaché avec vous, ou bien ancien parlementaire, leader politique qui attaché avec vous. Donc, c'est réalité, ça, qui existait dans le pays. Et ou bien ancien président qui attaché avec vous. Donc, l'opre tout élément ça, ou fait simulation, ou est que d'ici mi-février, pour y venir mois de mars, et nous katounons Soudan, nous katounons Libye, nous katounons Somalie. Mais, Kounia Stanley, l'offre fait tout constat. Et l'offre, pardon, un élément social et politique là-dedans, l'offre ajouté, et candidat Trump républicain qui fait campagne aux États-Unis, il était servi avec nous haïtiens qu'on coussait diable nouyé. Monsieur fait campagne dans Ohio, non ville qui est le Ora. Monsieur dit moun sa yo, yo illégaliste faut qu'il voye retourner. Monsieur fait même bagaille avec haïtiens qui dans Charleroi en Pennsylvanie. Et monsieur très clair, monsieur dit moun sa yo, il va faire déportation en masse. Il dit que les monsieur fin prêté seulement le 20 janvier. Monsieur a pris un décret pour annuler ni Biden, ni Tipi, yes. Est-ce qu'il déclaré illégal. Entre 20 janvier et 30 avril, monsieur va déporter à peu près 600 000 Haïtiens et qui va accélérer la crise interne dans le pays. Ce n'est pas illégal. Pardon? Ce n'est pas illégal, déportation de Haïtiens. Non, ça n'est pas illégal parce que, comme on a dit ça encore, ce n'est pas une loi. Programme ça, c'est pas une loi que le Parlement américain a dépassé. Son décret que l'exécutif l'a dépris, il a annulé automatiquement. Donc, on a ici un cap coûté là, ou même frère Assem, aux États-Unis, parce que moi-même, mon système là, c'est frère Assem que nous y est, faut qu'on aide nous protéger tête nous. Si ou même son petit Biden, ou même son petit PSK, ou pas avoir au déporto, sous son monde qui te gagne menace insécurité, la vie ou en danger, cherchons un avocat, fait application pour asile politique pour vous. Là, vous faites application pour asile politique, ou recevoir un papier dans mes juges, et vous avez deux côtés pour aller, faut vous application de demande d'asile politique là, dans l'immigration, l'offre fait libre, prend copie à devant juge, pour dire un juge, et bagaille ça va changer, ou sentir la vie en danger, si vous voulez retourner ou à Pongui, juge là pour un papier qui empêche de déporter. Mais son avocat pour faire le bout. Même bon conseil, la guerre avec patrouille Kokobé. Voilà, nous tenons Stanley Baye conseil, et véritablement, et janvier 2025, il y a une pire surprise avec la nouvelle administration. Ça. Administration républicaine. Depuis même jour 20 janvier, il y a commencé la déportation. Il y a pris un décret.
Ça veut dire, président en général ici aux États-Unis, il prend fonction le 20 janvier à midi. À midi 5, nous avons signé un décret, la déportation a commencé. Et ma gade moun li mette dans l'équipe li, gen un certain Tom Rengrazi. Mes amis, et bagay terrible, moun ki pa nan danse kole avec question immigration, même non ba illégal, tête chargée. Ta yen, nek sa ki mette ya, ki responsable déportation, c'est monsieur qui te déporté 3 millions moun sous Obama. Et il te déporté, il te séparé ti moun yo de parents, yo te critiqué l'empire pour ça. Et monsieur même dit, ville, côté magistrat, avec gouverneur, comprendre que c'est sanctuaire ici, dit que vous avez bloqué les bagailles. Monsieur dit, parlez pour vous, tout la ville dans la ville, avec état côté magistrat, tant que Californie, tant que Massachusetts, ou bien tant que. Qui l'autre côté encore? Il y a tout à côté, je vais changer non yo. Et côté mon local, parler de déportation, monsieur dit, la ville prend mon yo quand même. Bah, un gros poète qui prend le fait. Et Stanley, on nous retourne dans la politique en Haïti. Hein? Et où sont fait constat, où sont présenter constat par rapport avec ça, ou ça va suivre, ça constater plusieurs échelons et dans l'insécurité, ancien président dans la gang, parlementaire qui dans la gang, qui marie saucisson avec des séries de bandits, ak sa pat Jean Noure Léon, etc. Mais pour nous, là, nous finissons faire constat ça, nous, ouais, qui sa bagayoye, nous prenons qui sa bagayoye. Est-ce que pas de moyen pour nous anticiper? Est-ce que pas de moyen pour nous redresser Bakla, pour nous éviter le pire, pour nous éviter Haïti sombre, pi mal, nos catastrophes politiques, côté plus moun ka perdu la vie, yo? Parce que depuis politique ou pas en forme, c'est bataille politique ka fait, automatiquement, li pral dégénérer dans la question de sécurité. Donc, qui saurait qu'a fait selon vous-même? Qui saurait qu'a fait? Qui prévision? Non, c'est ça. C'est même Jean-Louis qui est docteur. Docteur Abraham Vipil, il crache, il prend sang, il faut faire radiographie, puis tout le monde qui maladie qu'on souffre. En fonction des maladies, docteur Abraham va prescription pour jouer une solution à la maladie. Tout à fait. Exercice qui nous a fait aller dans répondre à la question au déposé, c'est le diagnostic maladie politique qui nous souffre. Koulia, question que vous avez là, c'est qui solution, qui prescription pour maladie, ça qui nous souffre. Il y a deux propositions de solution. Deux façons qu'on a guéri maladie, ça qui pays à vivre. Donc, la première solution. Première solution, ou craser CPTA, ou monter un gouvernement qui est en tête, un premier ministre, avec un cabinet ministériel composé de monde qui a courage, excusez-moi, qui a grain, qui a boumé, les blancs pour aller dans le téléphone, l'on va agir pour pas prendre le téléphone blanc. Quand il a réussi à monter un gouvernement comme ça, il y a un plan qu'il a appliqué. Une proposition de plan qui est applicable pour résoudre le problème. Là. Nous ne pas mettre le ministre de la Justice là, c'est lui qui doit tout ministre AI de la Défense. Allez, il a bien nommé l'armée à la police. Okay. Intéressant. Le film l'armée à la police, il a pris 1500 policiers qui kagoumen, avec 1000 soldats dans l'armée qui kagoumen, il a monté une unité spéciale de 2500 hommes. Il a mis un commandant avec un assistant commandant dans cette unité. Le film monte une unité, il a demandé un pays qui s'en mis nous, voyez 8 experts qui ont préparé les gens pour goumen. Si vous n'avez pas besoin d'un pays pour Bali, il y a des gros compagnies mondiales de sécurité qui ont des experts à eux, ou qui font un contrat avec eux pour vous et 8 experts, viennent préparer une unité spéciale pour vous, pour montrer qui j'en vous met, pour détruire les gangs. Pendant qu'on fait travail ça, vous entrez dans la Banque centrale, vous prenez 100 millions de dollars américains, vous achetez 2 hélicoptères de combat. Vous avez des armes spéciales qui n'ont pas besoin de détails dans l'émission ça, vous achetez toutes les armes ça. Pour équiper l'unité spéciale ça à 2500 hommes. Par exemple, pour acheter Gagel, son série de lunettes qui permettent ouais, moun nan fait noir pour pousser la journée qui vient. Mm-hmm. Et doit gagner blackout dans zone là, ou après entrer dans gang dans zone là, gang nan pa ou nan fait noir, ou gang nan pour pousser la journée qui vient. Mm-hmm. Ou conseil de mitraillette 50 spéciale pour acheter, ou une série de fusils sniper qui capait ses béton, qui capait ses blocs et puis doit viser moun nan. Et c'est chalet comme un couvert dans le noir. Bon, bah, conseil d'équipement qu'on s'a pour acheter. Kouya, quand on finit d'acheter l'équipement ça, pour équiper l'unité spéciale 2500 hommes, on a un
délégué en charge des renseignements. C'est Wabal tout comme renseignement. Wally, c'est pour infiltrer oligarchia, infiltrer leaders politiques, infiltrer gangs, pour déterminer par exemple tel gang qui est dans telle zone, combien de soldats qu'il gagne, combien de motocyclettes, combien de machines, combien de mitraillettes, combien de revolvers, et le numéro de téléphone qu'il a utilisé, il a trié. Parce que souvent, il y a une information et une unité spéciale n'a pas opérationnelle. Territoire, de qui côté, dans qui quartier, qui côté quartier général, il y a sous tel territoire, dans la Tibonite, dans Port-au-Prince, il a trié. Quand il y a l'offre de l'infrastructure, ça a souplé. Ou pral rele la Croix-Rouge internationale en Suisse, si vous voyez trois observateurs pour vous. Pour que l'on pral faire opération pour détruire gang yo, ou pas avec que des gens qui protègent gang yo, qu'on couche des 11 gens, tant qu'on pire espérance, à faire rapport pour dire qu'on fait massacre. Donc, on fait la Croix-Rouge internationale vini pour montrer que vous respectez les règles d'engagement. Quand il y a l'offre de mettre toute l'infrastructure ça, ou pral faire une réunion au Conseil des ministres, gen an oligak yo ki pa nan peyi a ki se yo menm ki responsab gang yo e instabilite ki fè san pèp la koule an konsey des ministres ou pran rezolusyon ou deklare moun sa rete ou riske yo otomatikman ko fè sa li gen enpak sou Nasyon Zuni li gen enpak sou OEA li gen enpak sou CARICOM e li gen enpak sou tout peyi kote oligak sa ap viv menm kote a oligak la menase gen dik bagay li pral oblije fè atansyon. Kounya, ou va commencer au niveau opérationnel. Le va commencer au niveau opérationnel, ou gen doit choisir et modèle Salvador, mais ou appliquer modèle Salvador à réalité pays pan. Par exemple, Salvador, qui te gen plus gros gang, qui plus tchak, qui plus méchant, qui fait plus sang couler dans la région, son gang qui est en anglais MS-13. En créole, il est le MS-13. Gang ça va en anglais. Il est au moins 20 pays de l'Amérique latine. Li nan drogue, li nan trafic humain, li nan volé comme l'État, li nan tout vieux bagay qu'on a imaginé. Mais qui ça a fait Salvador? Le ou commencé, yo marié trois anciens présidents qui étaient dans la gang. Gen deux, qui ont été en prison, gen une qui est en cours sauvé, la Nicaragua a changé nationalité pour pas extrader. Après ça, yo marié tout oligarque qui est dans la gang. Après ça, yo descend dans le troisième étage là. Tout ancien parlementaire de gauche, avec leader politique de gauche qui était dans la gang, dans la particulier les FMLN, il a arrêté. Tout ancien parlementaire, avec leader politique qui était dans la partie de droite, là, Arena qui était dans la gang, il a arrêté. Après ça, il a descendu à terre. Les hauts descendants à terre, il y a 17 000 gangs et il y a marié 46 000. Ils font prison spéciale pour eux, soit sur YouTube, ou marqué Jill Salvador. Jill a écrit J-A-I-L Salvador. On pouvait comment on a géré gang ça yo qui vous mettez dans la prison. Donc nous-mêmes, là, nous commençons opérationnel, c'est comme ça nous devons faire. Là, quand nous avons trois anciens présidents qui sont dans la gang, il faut que nous marions. Nous avons oligarques qui sont dans la gang, il faut que nous marions. Nous avons leaders politiques qui nous connaissent très bien, d'ailleurs, chef gang Yoti, mais qui a affiliation politique qui est à leader politique ancien parlementaire. Après, on descend à terre. Ça est la première solution. Deuxième solution, pas qu'à faire ça. Avant d'entrer dans la deuxième solution, bon, font tirer aller, bon, font tirer aller parce que, l'homme de réalité, hein, trois anciens présidents, ça y est, qui n'ont gang. Gede sa yi de neg, c'est comme si yo achete la justice sans mettre dans poche. Pas date moi-même, depuis le map grandi, n'tende gen gros accusation, par exemple, son ancien président Aristide dans question coopérative, non pas quête l'autre dans dossier Jean-Dominique. Dossier sa yo, c'est l'enquête se poursuit en Haïti. Comment on pral rive mare nèg sa yo? Qui système? Encore une fois, qu'on soit dit à correct. Par exemple, l'opre création gang yo en 1995, après Aristide krasé la mea. Les vins krasé la mea, et puis nous commençons à bâtir en police en tant que pays. Qui ça monsieur fait pour faire gang yo? Mettez pieds sous cou, sous la police. Qui ça monsieur fait? Les bons policiers qui sont président, président Aristide. Et la Constitution dit que c'est la mais à la police seulement qui a droit à des armes. Nous avons un problème de réconcilier avec le chef de quartier Sahel, mais il faut que nous remettions des armes qui sont dans les mains. Aristide fait fusiller la police Marie-Christine Jeune. Après ça, nous avons créé l'armée rouge, l'armée rat, l'armée Timanchette, l'armée cannibale, dominant bois, palais ouzé. En dans la police, nous fait un groupe policier qui est un assassinat pour nous, 5 pour l'enfer. Ils ont monté opération Bagdad 1, opération Bagdad 2. C'est là qu'on vient gagner un ensemble de chefs de gang.
Conventon, Dredd Guilmé, Colibri, Labanier, Ti Claude, Ronald Cadavre, Ti Robinson, Toto Chérif, Yoyo Piment, Dom Lage, Jean Renel, Ti Élysée, Colonel Ravik, Général Quinquen. Où qu'on est, Pablo Escobar, Une Balle à la Tête, Amio Météé, Black Pepa, Général Titi, Toutou Danseré, Boalion, Jaoul, Grain Sonnet, Gros France, Ti Gabriel, Commandant Weekends. Ma besoin pour tout nom. Et puis, chef de gang ça, il est venu paraître, il y a à peu près 50 à 100 soldats en bas, qui étaient des petits mouns qui étaient entre 8 ans et 22 ans. D'ailleurs, il y a une vidéo de Timoun ça, qui explique comment, depuis à 8 ans, il y a plagué mon tête en deux gang. Depuis à 8 ans, il y a plagué M14 à grenade. C'est Timoun ça, aujourd'hui, qui a émergé sous nous. Donc, l'on parle de système judiciaire, par exemple, le oligarque Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Réginald Boulos, qui est le président, il mettait Ariel Henry qui participe dans tout le président. Qui premier bagaille il fait? Il fait un bagaille illégal. Constitution est très claire. Pour mettre nous dans le coup de cassation, qui c'est le coup suprême pays, nous, c'est seul un sénat constitutionnel, un président constitutionnel, qui a mis nous dans le coup de cassation. Donc, il mettait 7 à 8 personnes dans le coup de cassation, les remontés, pour empêcher que, ou pas, jamais arriver, faire suivi crime contre le président. Après ça, qui ça a fait? Il mettait doyen du tribunal de première instance. Après ça, Ariel nommé 54 juges. Donc, j'avais dit que quel nec ça a qui participe dans le président? Quel nec ça a qui a été non, je te dis, CPTA qui était dans le volet dans le BNC, la justice pas besoin de moyen. C'est pour ça que dans le modèle Salvador, tout, il a évoqué 90% d'un juge. Dans le monde qui était dans le système judiciaire, il a remplacé par de nouveaux jeunes. Dans le plan, nous devons appliquer ça tout. Donc, deuxième solution, si vous voulez me passer là-dedans, et sur l'autre solution différente, est liée. Allez, dit que, depuis qu'il y a jeunes dans chaque commune, ils ont formé au comité de libération nationale. Dans le comité de libération nationale, là, ils ont fait un groupe WhatsApp pour chaque commune, qui est des jeunes entre 18 et 35 ans. Et ils ont commencé à communiquer entre eux pour préparer 7 février, quand ils ont craser le système en mode de bois calé. Avec dit qu'il y a un comité de libération nationale Pétionville, comité de libération nationale Delma, comité de libération nationale Croix-des-Bouquets, comité de libération nationale Cité-Soleil, comité de libération nationale Carrefour et Latrier. Qu'il y a tout jeune ça, groupe, il y a un groupe WhatsApp, il y a préparé le 7 février. Puis le 7 février, on million moun nan la ri, pran la ri à 4h du matin en mode de bois calé. Ça est deuxième solution. Est-ce que deuxième solution elle pas coïncidé et avec mouvement révolution et Guy Philippe là Simka la gueule pour ça, est-ce que pas coïncidé selon vous même? Bon, et ma connu une guerre avec l'autre, ouais, une ta collé à l'autre, mais et libération nationale là et sous planifié depuis Koulia et pour le 7 février et ou présenter bien entendu il y a des accompagnements culturels qu'on doit faire avec lui, elle dit tout bon raio doit faire chanter sous CPTA avec premier ministre Unité Vérité Oligarque qui monte yo par rapport à assassinat président qui menait nous là. Il faut un accompagnement culturel ça dans jazz capable faire carnaval depuis mois de novembre dans là chanter carnaval là sous nex ça de commencer et stand là nous pral finir émission. Et gros question qui est fondamentale pour me poser par rapport avec l'insécurité. Nous, les bandits, c'est comme si ils réactivaient, c'est comme si ils montaient le volume. Ils déchaînaient, ils m'ont arrangé, si nous avons dit comme ça, pour nous vraiment comprendre ce que nous voulons aller. Il y a une série d'acteurs, et par exemple, avant-hier, nous avons entendu l'ancien sénateur Willow Joseph, qui proposait être comme médiateur. Parce que lui estime ça qui vient là comme insécurité, ça qui vient là comme violence, c'est non dialogue qui ca résoudre. Et hier, gay Wyclef Jean qui refait surface, lui ressorti encore parce que il t'a fait proposition et 4 mois de cela, lui retourné encore, lui quoi c'est non dialogue, c'est non chita botable là avec négatif amio pour joindre une solution insécurité à. Ou même comment ouais question insécurité avec moun ka fait proposition dialogue Guy Philippe qui t'ai parlé de amnistie ou même comment ouais insécurité à par rapport avec négatif yo qui soit t'a proposé et comme solution pour nous faire expérience ça déjà qui pas de résultat et c'est pas Préval qui devine avec artiste pour la paix avec Samba Boukman et Kato et Ladrier.
Et va, c'est pas un bail vérité sous sa bagarre la télé, tout bon qui n'est que tout est journaliste Jacques. Nous connaissons que bah, ça n'a pas de résultat. Au contraire, il servit à dialogue là pour récupérer gang yo. Et c'est comme ça, préval, vérité, unité, l'espoir, pour un gang qui était soleil, al météo Carrefour, al météo Matissan. Qui fait que Carrefour Matissan dans l'état qu'il y a journée aujourd'hui. Donc moi-même, et pour moi-même, et plan qu'elle soit doute à l'air, c'est l'applicable. Bien entendu, l'opéra entre dans la phase opérationnelle pour descendre à terre, ou abdigana, ou ballon option la vie. Tout le monde qui va à Zamio, il y a beau la vie. Mais debout va à Zamio, dans ce sens-là, qu'il y a un bon dialogue, s'ouvrir mes amis pour qu'il y ait beau la vie. Mais, bagaille que, et, Wyclef, Jean, et puis, oui, nous comptons qui est Oudlo Joseph, mes amis. C'est la incrédibilité, mais. En tout cas, mais. Et va n'est-ce qu'il m'aille là? Ah, Winston-le, oui. Sérieusement, je n'ai pas la rue, même. Qui sait, je n'ai pas la carrière pour nous. Comme c'est Nadia, je n'ai pas la pour nous. Et puis, il y a la carrière pour nous. Sérieusement. Pour ça, je ne suis pas dit rien. Les cartes, tu fais gang attaquer par le Mans. Pour ça, je ne suis pas dit rien. Le 19 septembre 2021, les gars fait gang attaquer le Sénat de la République d'Haïti. Où est-ce qui passe ici? Les gars des chimères qui ont attaqué le Parlement américain. Ah oui. Il y a 1200 en bas code, il y a 855 qui ont condamné, qui recevront entre 1 an et 15 ans en prison. Quand on fait gang et base Cameroun, attaquer le Sénat noir le 19 septembre 2021, jusqu'à présent, pas de personne qui peut évoluer. Tout bagarre est impuni. Tout bagarre est impuni dans le pays. Et pour ça, le système judiciaire est corrompu à 90%. Pas aucune justice dans le pays. Comme nous, les gars assassinent. Les gars assassinent René Breval. Où est-ce que j'ai acheté le certificat de TCA? Les gars assassinent le président. Même les gars encore. Les gars assassinent le président Jovenel Moïse. Où est-ce que c'est avocat Boulos, André Michel, Beto Dossé, avec et José Pierre-Louis, qui avec ordonnance pour juge. Sérieusement? Ah. Donc, le système, ça a dû écraser. Non, plein. Pour qu'on soit pour là, il y a deux solutions. Première solution, elle est très difficile en pile. Parce que le système n'a pas quitté au choix son premier ministre indépendant avec un gouvernement indépendant pour venir faire travail là. Et de plus en plus, moi, c'est deuxième solution. C'est dans chaque quartier, chaque commune, mettre le comité de libération nationale, rendez-vous 7 février en mode de bois calé. Bon, Stanley, et second dernier mot, c'est qui ça la pied? Bon, c'est goumé pour nous goumé, parce que moi-même, mes des jeunes dans le pays, les révolutions tunisiennes, t'as fait des jeunes, yo, et en Égypte, moi, des jeunes, yo, et en Bangladesh, nous sommes là, on coûte main tout. Et moi-même, des jeunes, yo, montez sur YouTube, regardez qui j'ai fait en Bangladesh. Jeunes, yo, entrez dans tout le bureau, l'État, yo, marie, tout le monde qui fait partie du système, là. Ancien président oligarque, ancien président qui est en cours sauvé, ancien oligarque, ancien président, ancien ministre, ancien parlementaire, leader politique, tout ça qui fait partie du système, vous crasez le système, et puis vous mettez un monde dans le gouvernement qui vous vient organiser l'élection, écrasé. Parce que le système, non, pas dit seulement pour la rue, non, il faut craser l'infrastructure légale et politique et économique système. Non. Donc, son plaisir, vous avez parlé avec Yannick. Moi, j'espère que les auditeurs qui t'attendent là apprennent nos bagailles. Frère, accès-moi aux États-Unis, préparez pour nous. Et parce que la décision va prendre ici, nous sommes tous en asile politique ou pas pour un avocat pour faire un mandat d'asile politique pour avant 20 janvier. Si c'est pas bien la CPS qu'on gagne dans le monde, et pas ça me souhaite non, nous disons qui sa maladie a et qui j'en voulais guérir. Et même Canada, aucun problème, parce que étant donné le premier ministre canadien, monsieur presque perdu le job, taux de popularité, monsieur, à 25%, et leader d'opposition, entre les Poilievre, qui sont conservateurs, a attaqué monsieur sous dossier migratoire là. Et comme son est Justin Trudeau, côté 3-4 députés qui n'ont pas de langue, qui sont dans le parti libéral, mandé monsieur pour démissionner. Monsieur connaît que Haïtien qui va le perdre du CBS avec Biden aux États-Unis, quand il traverse les frontières, et si ça fait, ça a un impact négatif et catastrophique sur le parti libéral avec tout doux, monsieur qui est en fait gros déploiement sous frontière pour Haïtien pour venir entrer au Canada. Donc, vous-même, quand je parle avec vous, pas d'aucun monde qui a vu une bonne autre cause, sous besoin arrêté, chez son avocat,
avec tout détail menace côté recevoir ou bien bandit qui gen bon la caillou ou bayou pour que l'offre fait application fait photocopie application à un juge dit juge là sont tout menacé par rapport à décision qu'a prend 20 janvier juge là mon papier c'est pour si aille sous immigration débarquer la caillou montrer papier ou va carte porte. Et monsieur que moun yo yo a payé prend la guerre avec si patrouille recouper. Je prends conseil là, la lettre et tout ça qui mérite fait. Je m'espère que vous avez fait ça. Stanley, merci pour la disponibilité ou et abgé l'autre occasion pour nous continuer et parler pays. C'est moi pour remercier Yannick et pour me féliciter pour bon travail ça qu'on toujours a fait pour la jeunesse et pour la nation. Et puis, avocat ici en Amérique aux États-Unis, peuple nous en danger, peuple nous menacer. Mes amis, nous-mêmes qui avocat ici en Amérique aux États-Unis, aider peuple nous sans nous gagner des malheureux à malheureuses qui pas gagne comme dans poche. Donc nous même qui dans association avocat haïtien américain qui Florida, qui Georgia, qui Maryland et qui New York, qui New Jersey, la Trier, aider mon nous sans nous vraiment des mon comme mes amis. Et frère accès nous gagne là faut nous faire des sacrifices et pour communauté pas nous. Regardez qui dans communauté juif là fait tête ensemble, là il y a un problème. Regardez qui dans Palestine et dans Michigan fait tête ensemble, là il y a un problème. Regardez qui j'en crime dans Florida, tous nos gros forces politiques aux États-Unis, parce qu'ils mettent tête ensemble. Dans la menace qui vient sous nous là, en tant qu'Haïtiens, faut mettre tête nous ensemble pour nous faire face à la menace ça. Bonjour, bienvenue, Yannick, bonjour, bienvenue tout auditeur, bonjour, bienvenue Haïti, qu'est-ce là? Merci. Et voilà, compatriotes haïtiens frères sœurs, nous sommes tendés, et qui j'en s'attendais dans l'interview que j'ai réalisée avec Stanley Lucas. Et c'est là, nous mettons un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Merci à vous-même qui t'avez suivi nous. Merci à vous-même qui t'êtes connecté. Rendez-vous à Cassé dans une autre vidéo de formation. Merci tout le monde. À très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays. Et puis, on agit. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial, vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sorti lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, monsieur Chanel Paula pour qu'il bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous prenons la balle pays, nous prenons le débat, c'est toujours même Yannick là, même voix. On y est.